votre avis, alors, qu'est-ce qui serait raisonnable? Excusez-moi, on me demande. Mais qu'est-ce que tu fous, mon Dieu? Tu veux négocier à Paz Lopez? C'est ça que tu veux? Eh, reste relax, toi, ok? Mais moi, j'en fais pas. Si lui veut négocier, c'est à lui de le faire, pas à toi. Ok, bah va te faire enculer, alors. Moi, je te préviens. Et moi, je t'encule. Alors, je t'écoute. Il était une fois... Bonjour, Henri. Mais si je changeais de vie, et si je décidais de venir te chercher, je te retrouverais. Où que tu sois. Et c'est pas moi qui divorcerai. C'est toi. Eva, qu'est-ce qu'il y a? Je ne peux plus porter les vêtements. Ni les bijoux que tu m'as donnés. Ni conduire la voiture. Ni vivre dans cette maison. J'ai l'impression que tout est couvert de sang. Couvert de sang? Tu n'en fais pas un peu trop dans le mélo, là? Pourquoi? Quoi de plus normal? Une mauvaise actrice, ça fait dans le mélo? Cette femme qui est chez vous. Cette femme, c'est ma femme. Comme toutes les personnes de qualité qui se connaissent peu, à Paris, on appelle ça de la pudeur. Mais il est vrai que si nous échangeons quelques confidences, personne ne pourrait nous entendre. Auriez-vous une confidence à me faire? Moi? Non. Non! Comme toutes les étiquettes, ce nom te dit une chose et une chose seulement. La place que cet individu occupe dans la chaîne alimentaire, dans le jeu du qui bouffe qui. Quel homme étrange vous faites. À vous écouter, pour un peu, on vous croirait malheureux. On n'interrompt jamais. Mais j'ai pas dit qu'ils n'avaient pas le droit, j'ai dit que c'était pas bien, c'est tout. Bon, on va pas se disputer, t'es là depuis 5 minutes. Mais moi, je me dispute pas, moi. Oui, bah t'as raison, je me dispute tout seul, c'est ma spécialité. Non, tu partiras pas. Ni toi, ni les enfants. T'es ma femme, ce sont mes enfants. Je vous aime et je le permettrai pas. C'est tout. Tu dis que tu nous aimes et t'es en train de me parler de permission que tu donnes ou que tu refuses. Tiens, si je te le file là, maintenant, là, tout de suite. Là, je te file 300 000 dollars. Qu'est-ce que t'en penses? Tu pourrais changer de vie. Tu le dis toi-même, t'es jamais promu. T'es sans arrêt obligé de vérifier tes arrières. T'es jamais tranquille. Danny, écoute-moi une minute. Mais y'en a marre de ces conneries. Danny. Putain, change de vie, c'est le moment ou jamais. Danny, faut que je te montre un truc. Peter qui? Je sais pas. Un Américain? Non. Il sait où vous habitez? Oui. On était dans le même taxi. Ça veut dire quoi? T'as pas le droit de m'intimider. Ça veut dire quoi être un homme? Tu veux un homme, c'est ça? Tu veux un homme? Regarde, tu veux en avoir un homme. C'est quoi être un homme? Et qu'est-ce que tu fais dans ma chambre? J'attends depuis 6 heures hier soir de tes nouvelles. J'étais mort d'inquiétude. Il va masser les pieds, hein. Masser les pieds, c'est tchadal. Ma mère, je lui masse les pieds. Attends, là, je t'arrête. T'as pris de la plaque. Masser les pieds, c'est... Déjà, il a massé les pieds d'un fan de Marcellus Wallace. Et en plus, masser les pieds, c'est un peu comme lui bouffer la chatte, non? Tu déconnes, là, mon pote. Masser les pieds d'une gonzesse et lui bouffer la chatte, ça fait deux. Mais je m'en fous! Je me fous de l'image que je renvoie. Je me fous de ce que les gens pensent de moi. Pour moi, c'est une pièce sur deux personnes qui sont unies à jamais, voyez. C'est comme si leur cœur était menotté à tout jamais. Menotté dans la perversion. Non, menotté dans la passion. Menotté dans sa passion à lui. Merci pour la bière. Bah, t'as rien, mec. Au fait, faut que je rende l'hôtel. Tu sais où je peux me loger? Quoi? T'as envie d'un hôtel, mais t'as qu'à demander. Mais quoi, bordel, qu'est-ce que tu racontes? Putain. 3 bichets de bière et tu ne demandes toujours pas. Parlez-moi de la coke, Nick. Ce jour, vous avez tué 2 touristes. Combien de coke vous avez pris? Dites-le-moi, vous pouvez tout me dire. Ils sont bons. Je crois que... Si vous la gardez, je vous chercherai. Je vous trouverai. Je vous tuerai.